dans mon j'appelle la communication suivante, qui est consacrée à l'orthopédie et traumatologie du sujet âgé, avec l'intervention d'un chirurgien et d'un rhumatologue. Je donne la parole à M. Arganson. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, mes chers collègues, c'est un honneur pour nous d'être accueillis ici, dans ce lieu prestigieux, et en tant que membre de l'Académie de chirurgie, de vous faire part de notre collaboration que nous avons mis en place avec nos collègues gériatres, en particulier l'équipe professeur Patrick Villani, qui coordonne à la fois le service de médecine gériatrique, mais aussi le service de soins de suite et de réadaptation en gériatrie. Je centrerai mon propos sur ce qui représente notre spécialité, la traumatologie, c'est-à-dire la prise en charge des fractures, et en particulier la plus grave d'entre elles, la fracture de l'extrémité supérieure du fémur, et l'orthopédie, la chirurgie orthopédique, que je me centrerai en particulier sur l'arthrose, et la plus handicapante pour les sujets âgés, l'arthrose de la hanche et du genou. Commençons par les fractures. L'âge moyen des fractures du col du fémur, 80 ans, ça représente troisième budget, vous voyez, la sécurité sociale. Fracture souvent à la suite d'une chute, parfois l'os casse et on tombe après, et vous voyez la fréquence, en gros 50 000 fractures du col du fémur par an en France. Le deuxième élément, on meurt plus à l'heure actuelle en France des suites d'une fracture du col du fémur que d'un accident de la République, du fait du nombre de patients que nous avons traités liés à l'augmentation de l'espérance de vie. 50% de perte d'autonomie, et vous voyez que l'âge au-dessus de 70 ans multiplie par 20 le risque de décès hospitalier par rapport à un sujet plus jeune. Le délai opératoire est également un élément important, et bien entendu, mes confrères leur ont dit, on en fait pas, ce sont les comorbidités qui font toute la gravité de ces fractures. Alors à côté des tassements vertébraux, des fractures du poignet, des fractures du col du fémur, bien entendu, André Caron, mon collègue rhumatologue, en parlera beaucoup mieux que moi. Le problème, c'est l'ostéoporose qui touche différentes articulations et donc différents sites fracturaires pour nous. Je me centrerai sur les fractures du col du fémur. Schématiquement, nous les traitons si elles sont hautes par la mise en place d'une prothèse et si elles sont un peu plus basses par la mise en place d'un clou ou d'une plaque avec différentes vis. Quels sont nos problèmes et quelles sont les particularités? Ce sont les images que vous voyez derrière moi. C'est la poutre qui s'effondre sous le poids de la neige. En d'autres termes, l'os n'est plus suffisamment solide pour pouvoir porter le poids du corps et lors d'un moindre traumatisme, il chute. Le deuxième problème, c'est le fait d'aller planter un clou tout neuf dans un mur qui est, lui, usé. Et donc, c'est toute la problématique que nous avons en tant que chirurgien orthopédiste pour éviter ce que vous voyez. La fracture, finalement, c'est le moment de décompenser un équilibre fragile et le chirurgien orthopédiste se retrouve autour d'un environnement dans lequel interviennent plusieurs spécialités, les rhumatologues, les médecins gériatres, les médecins rééducateurs et bien entendu les médecins anesthésistes. Et il est important que tout cela soit coordonné de manière optimale. Toute la gravité, ce n'est pas tellement l'acte opératoire, mais c'est souvent le post-opératoire. Mes confrères en ont parlé, l'une des complications fréquentes, c'est la confusion post-opératoire. Et pour nous, chirurgiens orthopédistes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut essayer de prévenir une nouvelle chute. La mise en place de barrières autour du lit est très mal vécue par les familles, mais c'est l'un des moyens qu'il faut essayer d'utiliser ou aussi d'éviter. Les différents moyens d'éviter sont d'un confusionnel, vous voyez sur la diapositive, l'hydratation et surtout une bonne prise en charge de la douleur. Évitant la plupart du temps, si on le peut, les morphiniques. Il faut éviter, bien entendu, de décompenser des pathologies préexistantes et surtout essayer de remettre ces sujets debout le plus rapidement possible. Et c'est donc le lever précoce qui est la clé de la prise en charge post-opératoire. Travailler l'équilibre, puisque l'un des grands problèmes est ce fameux syndrome post-chute, c'est-à-dire l'appréhension de marcher de nouveau. Cela va même plus loin et en relation avec nos médecins rééducateurs sont organisées également des visites à domicile pour éviter ces post-chutes, en particulier tout ce qui peut aider le patient à déambuler de nouveau correctement et surtout éviter les sources ultérieures de chute. Le problème plus à distance post-opératoire, c'est l'ostéoporose, dont Bacar en parlera tout à l'heure, et d'éviter la rechute, d'éviter la nouvelle chute. Savoir que, en gros, à 75 ans, vous voyez 92% des fractures récidivent dans les 6 ans. Alors,
Y a-t-il des innovations? On travaille avec une équipe de l'INSERM sur le fait d'essayer d'éviter ces fractures contralatérales, puisque vous voyez que les mêmes localisations surviennent à peu près dans 90% des cas. Vous voyez la problématique entre l'os normal et l'os ostéoporotique sur l'utilisation d'un substitut osseux injectable résorbable. Pour l'instant, on est à l'étape animale et à l'étape in vitro pour essayer de renforcer l'os contralatéral, ce qui aussi peut poser certains problèmes au niveau éthique. Le deuxième problème, c'est la prise en charge générale. On a fait faire une thèse récente en médecine générale. Vous voyez, sur auprès des médecins généralistes, la prévalence de ces fractures de l'extrémité supérieure du fémur, 30% seulement l'estiment correctement et 30% estiment simplement correctement le risque de gravité de ces fractures du col du fémur dans l'année qui suit. Donc c'est notre rôle, mais c'est aussi le rôle des médecins d'informer les familles et les patients de cette gravité. Le deuxième élément, ce sont ces nouveaux patients que l'on a à traiter, ces patients arthrosiques qui viennent nous voir, mais qui ont un âge plus avancé que notre moyenne habituelle. Vous voyez ce qui est prévu en termes de pronostic d'implantation de prothèses de hanche et de genou dans les 15 années qui viennent, une augmentation en particulier pour les prothèses de genou entre 100 et 200% est liée d'une part parce qu'on opère des patients de plus en plus jeunes, parce qu'ils sont actifs et qu'ils sont demandeurs, mais aussi des patients de plus en plus âgés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'évaluation préopératoire est importante, parce que contrairement à la prise en charge de fractures, on n'a pas le choix. Là, il s'agit d'une chirurgie fonctionnelle. Il faut bien peser le bénéfice-risque, que toutes les techniques d'anesthésie dont on parlait avec mon frère sont importantes, en particulier l'appel à l'anesthésie loco-régionale, la prise en charge de la douleur avec des blocs neurologiques, et bien entendu essayer de prévenir le risque de décompensation de pathologies préexistantes. Deux éléments récents que nous voyons de plus en plus fréquemment dans notre pratique, l'augmentation du nombre de reprises et l'augmentation du nombre de fractures périprothétiques pour une simple raison, les patients maintenant vivent plus vieux que leurs prothèses. Avant, les prothèses généralement une espérance de vie entre 15 et 20 ans, maintenant les patients viennent plus vieux, donc on a une épidémie dans nos services de chirurgie orthopédique de fractures autour de prothèses qui posent un certain nombre de difficultés techniques, mais aussi de reprises de prothèses parce que après 15 ou 20 années d'utilisation, les patients sont toujours là et sont demandeurs d'une solution fonctionnelle. Je donnerai trois messages sur cette diapositive de conclusion. La gravité des fractures de l'extrémité supérieure du fémur est une réalité en 2015, 20% de mortalité dans l'année qui suit. La prise en charge de ces nouveaux patients, j'ai qualifié de AA, âgés mais actifs et demandeurs d'une solution chirurgicale. Et enfin, l'intérêt d'une prise en charge pluridisciplinaire où on associe de près nos collègues gériatres, nos collègues rhumatologues, nos collègues anesthésistes et nos collègues rééducateurs. Je vous remercie de votre attention. Messieurs les Présidents, mes chers confrères, difficile de passer vers la fin de la séance, et le pari était que tout allait être dit dès le départ, le pari gagné facilement. La seconde remarque, c'est que nous avons des progrès à faire. J'ai la chance de travailler dans un petit hôpital à Paris qui s'appelle Cochin, où nos prédécesseurs, très intelligemment, ont fait un ensemble architectural qu'ils ont appelé ROR, rhumatologie, orthopédie, radiologie, puis rééducation et anesthésie. C'est un ensemble fonctionnel depuis plus de 50 ans. Mais nous avons des progrès à faire, puisque la gériatrie est à 1 km. L'hôpital Broca est à 1 km. Heureusement, nos collègues gériatres viennent nous aider de façon très fréquente et constante et de plus en plus. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, je vais essayer de focaliser un peu différemment ma présentation sur la prévention. On a vu tout à l'heure la gravité de la fracture de l'extrémité supérieure du fémur. Ceci est basé sur les ostéoporoses. Comme vous le savez, ce sont les maladies diffuses du squelette avec une faible masse osseuse, une altération de la microarchitecture et donc, on va y revenir, on l'a vu tout à l'heure, le concept de fragilité. Fragilité osseuse, donc augmentation du risque de fracture.
Mais nous avons la chance d'avoir des pics de fréquence, un maximum de fréquence à des âges différents de la vie. Et avant d'arriver sur la fracture de l'extrémité supérieure du fémur vers 75-80 ans avec comme pic de fréquence, nous avons avant la fracture de l'avant-bras vers 55 ans et la fracture vertébrale, qu'il ne faut pas négliger. Elle est très invalidante. Elle peut devenir encore plus chez les sujets âgés, source d'invalidité, de perte d'autonomie. Et surtout, l'arrivée d'une première fracture est le facteur essentiel de risque des fractures ultérieures, ça a été dit tout à l'heure de façon très juste. Et donc, on doit faire de la prévention. Et on peut faire même de la prévention avant même la première fracture. Vous connaissez tous ces diapositives avec l'osteodensitométrie et la courbe de la densité minérale osseuse qui, chez la femme, 40% des femmes à la ménopause, diminue leur densité minérale osseuse 2 à 3 fois plus vite que ce qui se passe avant et après. Donc, dépistage et repérage des facteurs de risque, parce que certains d'entre eux peuvent être traités. S'ils peuvent, ils doivent l'être. Il y a bien sûr la génétique, on ne peut pas encore. Les antécédents familiaux, ça doit éveiller l'attention. Ostéoporose, fracture. Être âgé, c'est une évidence. On a vu tout à l'heure l'augmentation de fréquence des fractures avec l'âge. Être une femme avec une ménopause précoce, c'est un facteur de risque qui augmente. Mais il y a des choses sur lesquelles nous pouvons agir bien en amont, très très en amont. L'anorexie de l'adolescence, le faible ou le très faible poids chez l'adulte ou chez le sujet âgé, et les régimes excessifs ou très excessifs. Ce sont des facteurs de risque que l'on doit combattre. Il y a des maladies. Si on les traite, on traite les facteurs de risque. L'hyperparathyroïdie en est un exemple parmi d'autres. Les traitements corticoïdes. Si on donne, si on est obligé de les utiliser, on donne un traitement antiostéoporotique, on fait de la prévention de l'ostéoporose, on fait de la prévention de la fracture. Et il y a des choses toutes simples. Lorsqu'il y a des carences, pas chez tout le monde, mais lorsqu'il y a une carence en calcium, à faire des apports en calcium de 800 à 1200 mg par jour, c'est facile. Et c'est encore plus vrai chez le sujet âgé. La seule vraie étude de prévention calcium-vitamine D a été faite chez les sujets âgés institutionnalisés en France. En même temps que le calcium, il y a l'apport de vitamine D. Ça doit être obligatoirement couplé. Calcium-vitamine D, carence en calcium, on la supplémente, carence en vitamine D, on donne 800 à 1000 unités par jour. Le tabac, diminué ou arrêté, c'est évidemment arrêter un risque majeur d'ostéoporose. L'alcool est plutôt un risque de chute plus que d'ostéoporose. S'il y a une inactivité physique, surtout chez le sujet âgé, ça a été dit, on l'encourage à avoir une activité physique. Nous sommes dans le domaine de la prévention. Tout ceci rejoint ce qui a déjà été développé ici, qui est la prévention de la sarcopénie, qui a été présentée par Jean-Pierre Michel il y a à peu près un an. Et il y a tout ce qu'on a déjà vu, c'est-à-dire la réduction du risque de chute, mais en prévention. Et surtout, nous avons à l'heure actuelle, quel que soit l'âge, y compris chez les sujets âgés, des thérapeutiques qui sont possibles en prévention primaire et prévention secondaire, c'est-à-dire déjà après la première fracture. On a le traitement hormonal de la ménopause, là nous sommes très tôt, le raloxifène, les bisphosphonates, ils sont très importants, y compris en prévention secondaire, le denosumab, je vais vous en reparler. Ça, ces médicaments-là, ces classes pharmacologiques agissent pour bloquer l'ostéoclaste, pour bloquer la dégradation osseuse par l'ostéoclaste. Il y a des médicaments qui, au contraire, activent l'ostéoclaste. À l'heure actuelle, c'est le téréparatil et le ranelat de strontium. Avec des nuances quand même entre les médicaments, puisque vous voyez que seuls certains d'entre eux ont des indications en prévention pour la fracture de l'extrémité supérieure du fémur, d'autres, tous pour la vertébrale, certains pour le reste. Et il y a des éléments en cours, très importants, certains très proches de la mise sur le marché,
en particulier les inhibiteurs de cathepsine K, qui sont très loin dans leur développement, et des éléments qui sont plus précoces, des anticorps anti-sclérostine, qui paraissent très prometteurs, mais ils sont beaucoup plus précoces dans leur développement. Pas de panique. Cette diapositive, publiée dans un article très récent, il y a à peu près un mois, reprend des éléments qui sont des messages importants pour aujourd'hui, pour notre sujet d'aujourd'hui. Le denosumab a été développé et mis sur le marché il y a 5 ans, une étude publiée il y a 6 ans, sur une population de femmes post-ménopausiques qui avaient une ostéoporose densitométrique avec ou sans fracture, âgées de 60 à 90 ans. J'ai bien dit 90 ans. Et on avait montré dans cette étude, il y a 5 ans, qu'il y avait une prévention des fractures vertébrales, non vertébrales, et de la fracture de l'extrémité supérieure du fémur. Beaucoup d'analyses en sous-groupe ont été faites sur cette étude Freedom par la suite, et celle-ci, la plus récente, est intéressante. Vous voyez sur les barres blanches, les patients qui ont reçu le placebo, les barres noires, celles qui ont reçu le denosumab. Vous voyez que globalement, quel que soit le sous-groupe, on a une réduction du risque relatif de l'ordre de 40%. Mais beaucoup plus important pour ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est que ceci est vrai, toute la partie de gauche, chez les patients qui avaient déjà eu une fracture avant le début de l'étude. Mais aussi vrai chez les patients qui n'avaient pas eu de fracture avant le début de l'étude. Donc prévention primaire, mais aussi prévention secondaire. Deuxième point important, directement en relation avec ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est vrai dans chacun des sous-groupes, sans fracture ou avec fracture avant le début de l'étude, la même efficacité que les femmes aient moins de 75 ans ou qu'elles aient plus de 75 ans. Donc les messages, c'est efficace. Et il n'est jamais trop tard, c'est valable en prévention primaire comme en prévention secondaire chez des sujets relativement plus jeunes, moins de 75 ans, ou chez des sujets plus âgés, des patients de plus de 75 ans. Nous avons un petit peu moins de chance pour le moment pour les arthroses, mais ça va changer sûrement dans les prochaines années. Les arthroses sont des maladies non seulement du cartilage, mais également de l'os et du tissu synovial. Extrêmement fréquentes, et vous le savez, ce sont des maladies caractérisées par des poussées douloureuses et avec des rémissions spontanées. C'est très important quand on évalue certains médicaments, et qui peuvent, après un certain nombre d'années, parfois très vite, aboutir à une perte de fonction, de mobilité, d'handicap, et chez le sujet âgé, à une perte d'autonomie. Là aussi, il y a des facteurs de risque. Génétique, c'est en particulier vrai pour les mains, l'âge, on l'a vu, 65% des personnes après 65 ans ont et souffrent d'arthrose, 80% après 80 ans, voire plus. Le sexe, les femmes ont plus d'arthrose des doigts et des genoux que les hommes. Là, on ne peut pas grand-chose. Mais il y a des facteurs sur lesquels nous pouvons agir. Le plus à la mode actuellement, c'est le dysfonctionnement métabolique, le célèbre syndrome dysmétabolique. L'obésité favorise l'arthrose des mains. Réduire l'obésité, certains les regardent, pourrait peut-être améliorer ou prévenir l'arthrose des mains. C'est en cours d'évaluation. Il y a tout ce que vous connaissez, tout ce que nous connaissons tous depuis des années, que nous essayons de faire, c'est-à-dire de diminuer les autres facteurs de risque de l'arthrose, les excès de pression, de contraintes, et là, de nouveau, on a la surcharge pondérale, mais aussi les activités sportives trop intenses, trop contraignantes, trop. Les atteintes anatomiques, nos amis chirurgiens les connaissent beaucoup mieux, les dysplasies, les fractures articulaires, le mieux traité possible. D'autres maladies que connaissent les rhumatologues, traiter très tôt les hémochromatoses dans la famille, c'est important pour prévenir les arthroses secondaires. Même chose, et actuellement ça a beaucoup évolué au cours des 15-20 dernières années, c'est les traitements des rhumatismes inflammatoires chroniques. On a beaucoup moins d'arthrose dite post-arthritique à traiter. Quand on a une arthrose, on a des traitements symptomatiques d'action rapide et les antalgiques, les anti-inflammatoires, vous savez comment ils sont illimités chez les sujets âgés, les traitements intra-articulaires, les corticoïdes, les lavages,
les acides hyaluroniques, et je voudrais m'arrêter juste quelques instants pour vous demander votre opinion. Il y a des médicaments actuellement sur le marché qui ont reçu la MAE et qui ont été déremboursés en 2015. Vous allez avoir chacun votre opinion, je vous donne simplement quelques éléments. Restons sur les deux où on a le plus d'informations, chondroïtine sulfate, glucosamine sulfate. Si vous prenez la dernière revue Cochrane, la dernière revue Cochrane du début 2015 donne un avis favorable pour une action symptomatique d'action lente pour la chondroïtine sulfate de niveau moyen, mais surtout donne un avis favorable, j'arrive à la prévention, sur ce qui n'était pas une indication ni une revendication de ces produits pour la structure, c'est-à-dire la détérioration de l'articulation. Je vais vous montrer pourquoi. Là, vous avez les diapositives, ce sont des études, attention, long terme. 2 ans pour la chondroïtine sulfate, 3 ans pour la glucosamine sulfate. Je dois déclarer un conflit d'intérêt, j'ai été le principal investigateur de la plus grande de ces études sur la chondroïtine. Mais plus important, et ces études ont été faites pour cela, nous sommes dans la prévention médicamenteuse de l'évolution radiologique de l'arthrose, du genou en l'occurrence. Si vous prenez les deux études, ça c'est l'étude que j'avais publiée sur la chondroïtine sulfate, 600 patients. Vous voyez qu'après 2 ans de traitement, on a une différence par an de 0,12 mm. Les mêmes études, ou similaires, 3 ans, glucosamine sulfate, 0,11 mm par an. Certains ont dit que c'est négligeable. Réfléchissons. L'interligne articulaire, compartiment interne du genou, 5 mm environ, 0,11, 1/50. 1/50. Les meilleurs traitements à l'heure actuelle de la polyarthrite rhumatoïde, considérés comme des révolutions, donnent une amélioration de la structure de 1/50 à 1/100 du score total. Le même niveau. Deuxième point, pour obtenir une variation cliniquement pertinente, 0,25 à 0,50 mm. Il faut traiter, le célèbre monté, il faut traiter 8 patients. 8. C'est remarquable. Et ceci, mais c'est préliminaire, si vous traitez pendant 3 ans des patients avec glucosamine sulfate, vous réduisez le nombre de prothèses du genou avec un risque relatif de 0,43, c'est-à-dire une réduction de 57%, et le nombre de patients traités par glucosamine sulfate pour obtenir une diminution de une prothèse du genou serait, je mets au conditionnel, ça reste à confirmer, de 12, ce qui est tout à fait remarquable en prévention par rapport à toutes les autres pathologies. Ceci, c'était le présent, et il y a le futur. Comme les concepts sur l'arthrose changent, et que ce n'est plus une maladie simplement du cartilage, mais également une maladie de l'os et de la membrane synoviale, il y a actuellement énormément d'études de prévention, et quel que soit l'âge, qui sont en cours. Des médicaments utilisés dans l'inflammation, comme les anti-TNF alpha, anti-IL-6, anti-IL-1, déjà utilisés dans la polyarthrite rhumatoïde ou les spondyloarthrites par exemple, des inhibiteurs de métalloprotéase, des facteurs de croissance, le EGF18, la lubricine, déjà très avancée, des médicaments utilisés dans l'ostéoporose, on l'a vu tout à l'heure, l'acide zoledronique, c'est le plus puissant parmi les bisphosphonates, le ranelat de strontium, ils sont en cours d'évaluation dans l'arthrose, et puis ce qui est le plus à la mode, ce sont là, sur le versant cartilage, chondrocytes et biomatériaux, et les greffes de cellules souches, mais il vous faudra un peu de patience, quelques années, pour avoir des résultats. Et même si le rhumatologue a échoué dans la prévention, il reste le meilleur traitement qui est la chirurgie, même si chez le sujet âgé, il a plus de risques, comme on l'a vu. Je vous remercie.